Bon, félicitations pour employer la formule consacrée. Bienvenue dans le monde des pilotes. C'est la phrase type. Tu es maintenant notre homme. Alors, ton ressenti, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu as dit que tu étais lâché? J'étais content que ça arrive enfin, dans le premier sens. Un peu stressé, forcément. Et puis, je sais que j'étais quand même bien coaché. À la radio, tu étais là. Et puis, il a fallu mettre les gaz. C'était une répétition de ce qu'on avait fait depuis le début. Donc, ça s'est bien fait. J'étais mis en confiance dès le début. Le décollage s'est bien passé. Le tour de piste aussi. L'atterrissage, nickel. J'ai bien tout senti. Et comme je disais, je t'avais à la radio. Donc, si j'ai besoin de me rassurer, je pouvais te parler. Même si je disais des bêtises, je savais que tu étais là pour me guider. Donc, non, j'ai bien senti. C'est vrai que tout seul, il y a des petits changements. On monte plus vite, on est un peu plus ballotté, mais non, les conditions étaient vraiment top et c'était vraiment super. Bon, j'ai vu que tu avais fait un tour de piste supplémentaire par rapport aux demandes initiales, c'est que tu étais particulièrement à l'aise. J'étais plutôt à l'aise. C'est vrai que je me suis mis en difficulté sur la fin parce que j'ai voulu faire un tour de piste un peu plus court pour voir un peu si j'arrivais à m'adapter. C'est vrai que sur la fin, j'ai mis en application d'autres leçons et j'étais bien aussi. Donc, c'était... Je me suis mis un peu en confiance, donc c'est bien. Voilà. À continuer et à prolonger, et c'est vraiment magique. Bon, tous les moments difficiles sont oubliés. Oui, c'est sûr. Bon, mais écoute, c'est merveilleux. Tu verras que ces minutes-là sont gravées pour toujours. Ouais, c'est clair. Encore bravo. Merci. Donc bravo à toi aussi, qui as su bien me guider, me pousser au cul quand il fallait, garder ton sang-froid, pas t'énerver, un petit peu quand même de temps en temps, mais on voit le résultat et c'est très agréable. Et on en est là aussi grâce à toi, donc merci à toi Jean-Marc.